Ah, j'ai besoin d'une écaille, tiens, vas-y, fais péter. Ah bon. Je sais plus à quoi ça sert en plus. J'ai oublié. Tu fais quoi maintenant? Bah c'est sûr que s'il va se mettre ailleurs, il va prendre de la place. Hein. Oh, j'ai oublié à quoi ça sert l'écaille. Damiana nous a dit qu'un poisson céleste abrite peut-être un casque Zora que l'on pourrait offrir à Link. Un poisson céleste? On scrute la rivière à l'affût du poisson qui aurait pu avaler le casque. Et forcément une métaphore, il doit s'agir de l'endroit où le casque a été caché. Poisson céleste. Hey. C'est dommage qu'il ne se déplace pas comme dans Ocarina of Time. Gruik, gruik, gruik. J'ai pas compris. Ah, le roi Zora, c'est ça? Je me souviens plus d'Ocarina of Time, à quoi il ressemble. Il est temps pour toi de prendre la route, n'est-ce pas? Oui, je vais me casser, c'est bon, j'ai compris, je te fais chier. Ah oui, c'est vrai que je n'ai plus le... Oh là là, ça fait bizarre de ressauter normal. Poisson céleste. Ça c'est un poisson céleste, non? Ou alors c'est ça, mais j'y étais pas allé, là, on est d'accord, si? Je sais plus. Île des écailles dansantes. Ouais, c'est ça, c'est là où j'ai été tiré dans l'alarme. Mais du coup, comment j'y retourne, je sais plus. C'est chiant. Avant. Oh, c'est bizarre de ressauter normalement. Alors les gens. Géoglyphe qui se trouve au sud d'Ordine ou pas encore? Je sais pas, c'est où Ordine déjà? Putain, Bitteria en région.
C'est quoi ça? Ah, c'est les enquêtes régionales, c'est vrai. J'ai pas fait ici. Peut-être aller faire un tour là. Bon, ça se fait que j'ai pas. Ah, parce que j'ai. Ok, la valise. Ok. Ils ont mis une montgolfière juste ici. Ah, je peux pas la prendre? Merde, c'est pas ça. Encore une fois, son Altesse Mifa debout, clair de lune. Ouais. Bizarre ta demande. Ces jambières confèrent à la personne qui les porte un pouvoir de nager sans contrainte. Ah ouais? C'est-à-dire, il n'y aura pas besoin de barre d'endurance? Au temple Zora antique. Temple Zora antique. Au fond du lac du barrage. Ok. Tu es toi. Oh, les enfants sont joyeux. Tout le monde rigole. C'est merveilleux. Peut-être se refaire à manger, tiens. Jadis, au cap de Tarm, un généreux sanctuaire abritait généreusement une pierre aussi généreuse. Parmi les nageoires frémissantes, la générosité de cette pierre et de ce sanctuaire était inouïe. Ça sent un texte ancien à plein nez. Qu'est-ce qu'on fait à manger? Des petites tomates. Des petites herbes.
Un petit champignon. Les pommes. Les bananes. C'est quoi une pomme dorée? Ah, j'essaye de cuisiner une pomme dorée. On peut manger les feuilles korogu. Ah, on va se faire un petit peu de bidoche aussi, tiens. La bidoche. Du riz. Est-ce que j'ai de l'huile? Ah oui, j'ai de l'huile. Attends, ou non. Merde, c'est pas ça que je veux faire. On les enlève. Faire un poisson. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Non, non, je vais gâcher des trucs. Je vais pas faire ça, je vais gâcher des trucs. Comment on check et on trouve les recettes déjà, je sais plus. J'avais trouvé la dernière fois, je me souviens plus. À choisir une recette à base de poisson. Voilà, c'est ça. Recette de poisson. Mais c'est nul. Mais c'est nul. Non, c'est nul. Poêlée végétale enduro. Ouh, ça a l'air bon ça. Ah, 9 au plat. Ah oui, on va faire ça. C'est bon ça. Oh, il est beau. Belle faux plat. Ah putain, ça va me donner faim cette merde. Pardon. Excusez-moi, j'ai mes genres. Oh. Si m'as entendu parler moi-même, oui. J'aurais quelque chose à te demander. Un endroit tout léger, ça te dit quelque chose? Un endroit tout léger. Oh. Vois-tu, quand ma femme Marjorie est partie pêcher, elle fredonnait une drôle de chanson. J'ai trouvé un endroit tout léger pour pêcher du poisson, je n'ai qu'à sautiller.
Et je me le mets dans le fion. Et elle a traversé le pont à l'est du domaine en sautillant. Sur le coup, je n'y ai pas prêté attention, puis ça m'intrigue de plus en plus. Tout léger, où elle n'a qu'à sautiller. J'ai jamais entendu parler d'un endroit pareil. Ma femme est du genre à foncer tête baissée quand elle est passionnée. Ah, Majorie. J'espère que tu n'es pas allé te mettre en danger. Faut que je remonte, putain. Là, je peux aller là-bas. Et puis le petit trou du cul. Une passion pour le crabe enduro. Il m'en faut 10. Oh, je vais avoir ça. Tiens. Les petits crabounets. Ouais. J'en ai d'autres. Voilà des crabes enduro. Ah, plein de missions partout du coup je sais plus où je voulais aller, je sais plus ce que je voulais faire. Les gamins me disent un truc ou pas? Bonne soirée, Chad. Poulinous. Ouais, c'est pas comme ça que je vais récupérer mes flèches. Moi. Alors, les jambières dans le temple et le casque. Sur l'île flottante. Quel problème? Ah bah, j'y allais justement. Au nord du plateau de Jarbu. D'accord. Un Ilien, putain, c'est peut-être un musicien. On va aller voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe? À quoi? Parce que vous pouvez maintenant invoquer. Ah, il fallait que je sorte du domaine, c'est pour ça. J'ai faim. Alors cuisiner, ça m'a mis une dalle, putain.
Ah, oh, super. El Lunas de Ragnut. Et du coup, est-ce que ce serait pas là-haut qu'il y aurait... crabe. On peut faire un truc ici. Plein de quêtes. Au secours. Ah, il faut que j'apprenne en photo, c'est ça? Ça n'a pas marché. Bizarre. Bon. Est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on descend? Voilà la question. Avant de traverser le courant du pont est. Ouais, bah c'est ça. Ok. Bah on va monter du coup. Je reviens, je vais pisser. Encore une fois. Ah merde. Je me défonce les lunettes. Que de pause pipi en si peu de temps. Bon. Et après on ira dans le tourbillon. Puis après on ira au plateau de Jarbu là. Le chevalier de la Lyrecorne. Oui, le pipi est très bon. Le pipi, ça détend de se vider la vie si fortement remplie. Du coup, la nana, elle doit être là, c'est ça? Ça n'a pas l'air, hein. Il n'y a plus de caca, en tout cas. Hein. Oui, il n'y a qu'à sautiller.
Mais où a bien pu passer Marjorie? Je la vois pas moi. Peut-être pas là en fait. D'être là, Marjorie. Wait, what? Je sais pas si c'est en dessous. C'est en dessous, on est d'accord. C'est pas en dessous. C'est encore au-dessus? Merde. Je devrais le voir là. Là on est dans l'axe. C'est le glyphe, ça. Mais si, je comprends pas. Ce qui se plaît ou quoi? Ah si, putain, elle est là encore. Putain, on la voyait pas, quoi. Et j'ai déjà perdu le glyphe. Putain, j'aurais dû le marquer, je crois. Ah si, c'est là-haut, c'est bon. Faut que je le marque. On va le marquer, on va le marquer. Ah, je peux pas. Ça veut dire qu'il est... Merde. C'est là? J'ai plus de balise, putain, c'est chier. Bon, j'irai après. Ça va être loin. Et le plateau de Jabu, c'est... Non, c'est le tartare, merde. Le plateau de Jabu, c'est... Merde. Ah bah si, c'est là. Okay. Bon. Ici, l'île du poisson. Enfin, le poisson céleste. Technically, le coffre est quelque part là-dedans, c'est ça? J'ai bien tout compris. Non. Putain, mais ça drop plus de flèches. Ah!
Qu'est-ce qu'il fait? Faut retirer une flèche. Deux flèches en moins, super. Ah oui, s'il faut mettre l'écaille du roi, c'est vrai, j'ai oublié. C'est à ça que ça servait. C'est vrai, merci. Attends, faut la trouver. Tout pour éviter que je perde des flèches, oui. Ah bah voilà. Ok. Il y a peut-être un coffre quelque part en suspension sur une des roches, mais ça n'a pas l'air. Vraiment bizarre. Une mouette. Ah non, c'est un... C'est quoi cette merde? Si, c'est une mouette. Mouette nébuleuse. Putain, mais elle me donne envie de lui tirer. J'ai envie de lui tirer dessus, moi. C'est tout ce que j'ai envie de faire. Merde, bon. Arrête de niquer des flashs, s'il te plaît. C'est pas une bonne idée. Je comprends pas. Bon, bah, je vais aller chercher le truc, hein. On va aller désinguer les trous de balles et puis puis on enchaîne avec la bougoute et puis voilà quoi, puis merde. Et après il y a... Alors c'est en dessous là? L'ancien temple Zora, c'est peut-être des trucs qui sont tombés. Du poisson céleste. Ça en fait, hein. Je suis déjà venu là en plus. Putain.
sous la cascade. Merde. Ah mais oui. C'est ça en plus, je suis sûr. Ah! Putain, je suis sûr que c'est ça. Putain, un maxi perche. Let's go. Ah non, c'est des carpes. Ça va peut-être valoir le coup de leur lancer une bombe, quoi. Après, il y a là aussi, c'est pas là où j'avais trouvé le gros là. Ou alors c'était là, je sais plus. Je sais qu'il y a une grotte où j'ai pas fait. Parce que c'était compliqué. Mais je sais plus. Putain, je sais plus. Non, 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 non. Oh putain, c'est chiant. Aïe. Elle est où l'entrée? Ah, c'est pas là? Putain, fais chier. Je me fais agresser. Et je vais mourir. Aïe. Je rêve où j'ai vu un gros truc dans l'eau, non? Ah non, c'est... D'accord. C'est un poisson. C'est pas là-dessous qu'on pouvait passer. Ah, je croyais.
trick. Je parcours l'île en collectant tout un tas d'insectes. Est-ce que tu t'intéresses aux insectes? Blablabla. Les papillons, les libellules, le piment vivent dans les régions chaudes. Oui, je sais, c'est bon. Je suis pas débile, hein. Le froid aime le froid et le chaud aime le chaud. Putain. C'est tout? Ok. Tu sers à rien. Oh, le détail de l'eau qui tombe sur la paravoile en délice. C'est pas en haut, c'est pas en bas. Enfin, j'imagine que c'est là-dessous. Mais j'ai l'impression que je... Merde, non, non, en fait pas, en fait pas. J'ai l'impression que je peux pas y aller. Il y a peut-être une entrée quelque part. Non. Ça a pas l'air. Non, c'est personne, c'est personne, c'est personne. Merde. J'ai besoin de toi là, Geruda là. Oui, les steaks là, oui. Le loot infini. Merde. Putain, il est pas con, il s'est mis à l'abri lui. Oh, tu fais quoi? On a un petit courageux là. Ah bah non, il pleut, ça a pas marché, merde, je vais lui foutre le feu mais... Ouais. Merde, ça a pas marché, bon c'est pas grave. Ah, je me suis fait mal, quel con.
Oh. Ouh. Ah merde, je peux pas. Ah. Oui. Ah, il est mort. Ah non, il est pas mort. Il en manque un, putain. Il est où? Oh putain. T'es un musicien, dis-moi que t'es un musicien. Tout commence avec la lune de sang. Ce phénomène étrange est extrêmement célèbre. Difficile de dire quand exactement, mais certaines nuits, quelle que soit la phase lunaire, une planète. Non, mais tu vas pas m'expliquer, c'est bon. D'accord, c'est pas du tout un musicien, putain, fais chier. Super. Ah, là, c'est un peu mieux, mais bon, c'est encore pas ça. Quoi. Oh, pas mal. Et bah, c'était pas un musicien. J'ai des bombes ou pas? Merde, non. Ouais, ça fout la gerbe un peu au bout d'un moment. Putain, j'ai plein de trucs là. Ah. D'accord. J'aimerais bien apprendre la longue épée Zora là. Bonne nuit Kimi. Moi j'ai super faim.
Je serais bien mangé time, moi, là. Je crois que j'allais me faire un petit casse-dalle, parce que... Je n'en puis plus. Bon, on va aller là, hein. Mais si, j'aimerais bien exploser tout ça. Est-ce que... On va essayer un truc. Viens avec moi. J'ai besoin de toi, Turbozal. Ah oui, ça marche. C'est tout? Non. Ah bah super. Ça valait absolument pas le coup. A plus Kimi, merci encore et bonne nuit. Et à la prochaine. Pas loin là. Nous sur la map. Ok. Et hop là. Votre Majesté, nous venons d'apprendre que le dernier village du désert Gerudo venait lui aussi de tomber entre les mains de l'ennemi. Nous ne pouvons plus contenir davantage les assauts de l'armée du roi démon. J'en suis conscient. Je me chargerai en personne d'arrêter notre ennemi. Raoru, le roi démon est trop fort. Tu n'es plus en mesure de lui tenir tête tout seul. C'est quoi cette créature? Toutefois, tu n'es pas seul, justement. Les chefs Gerudo, Goron, Zora et Piaf sont là. Ainsi que Zelda. Ouais. Et moi aussi, bien sûr. Ouais. Nous sommes tous à tes côtés. D'accord, c'est le sage des airs, c'est ça? Enfin, non, ça va être le sage de... des dragons. Je voudrais vous montrer quelque chose à tous. Des gougouttes magiques. Les occultes des Sonao. Prêtez-moi tous vos forces. Je vous en fais la demande.
faisons le serment. Nous soutiendrons le roi de lumière et vaincrons le roi démon. Moi, ils me font peur. Ah, le cap de Tarn. Attends, qui c'est qui m'a parlé du cap de Tarn déjà? Putain, il y a trop de quêtes, ça va pas là. Aïe. Jadis au cap de Tarn, un généreux sanctuaire abritait généreusement une pierre tout aussi généreuse. Pourquoi j'ai fait ça? Non. Non. Qui est con? C'est là. Ah putain, ah putain. Je vois rien.
La Max. J'ai grillé plein de flèches, mais ça valait le coup. Mabou, je m'attendais pas à croiser quelqu'un ici. Aussi, tu es venu chasser le trésor par ici après avoir entendu l'histoire du vieux manuscrit de Koda. Oui, c'est ça, un vieux manuscrit laissé par Koda par un de ses lointains ancêtres. J'étais là quand Koda a lu le message à sa fille Alphine. Jadis, au Cap de Tarm, un généreux sanctuaire abritait généreusement une pierre tout aussi généreuse. Je crois que ça commençait comme ça. Pour un texte ancien, la formulation est un peu étrange. J'ai même trouvé ça un peu louche au début, mais bon. Un généreux sanctuaire, ça sent le trésor en plein nez, non? Quand elle a entendu ça, Alphine a crié « On part à la chasse au trésor !» et elle m'a tiré à l'extérieur du domaine. Du coup, je l'ai suivi tant bien que mal jusqu'à cette grotte. On était ensemble quand on est arrivé ici, mais... Alphine est partie à la nage à toute vitesse vers le fond de la grotte. Tu me rattraperas, qu'elle m'a dit. Persuadée que rien ne peut l'arrêter. Peut m'arrêter. J'ai fait des efforts pour devenir plus costaud, c'est vrai, mais je suis un très mauvais nageur. Il faut faire un bateau. J'ai trouvé un radeau juste là, du coup je me suis dit que j'allais pouvoir le rejoindre avec ça, mais... Comme l'eau n'arrête pas de monter et de descendre, le radeau finit toujours coincé dans les rochers. Du coup je suis bien embêté. L'eau n'arrête pas de monter et de descendre, ah ouais. Ah ouais. Ah c'est rigolo. Ah. T'inquiète pas, ça me fait pas peur. Merde. Il est pas droit du coup. C'est-à-dire, j'ai pas le droit de faire ça. Aïe, mais mec, tu casses tes couilles aussi. Thank you.
Ah c'est bon, d'accord, ok. Mabou ! Elle est scrite par l'île du sanctuaire, je vais attendre Mabou ici. Ils seront réunis quand je sortirai, j'imagine. Et du coup, Mabou, il faut le faire traverser quand même ou pas? Bizarre.
Est-ce qu'il y a un truc pour baisser le niveau d'eau? Je sais pas, c'est étrange. J'ai rien vu. Hein. Moyen de stabiliser le niveau, mais ah bah merde! Ah oh putain, il suffisait de lui parler. Ah. Bon bah on recommence hein. Quoi, mais comment ça je coule? Je pige pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Putain ! Mais ! Pourquoi il me fout sur la carte ce con ? Je demande pas la carte ! Qu'est-ce qui se passe ? Bon. Ah, c'est parce que je suis sur boussole, putain. Oh. Fausse manip, ça m'a mis sur boussole. Allez, c'est bon là. Ça va pas couler comme ça. Je sens que ça va être chiant ça. Non, non, je suis con. Oh putain. Au secours. C'est chiant. Putain, puis c'est long. Pourquoi il y en a un qui a lâché? Bon bah maintenant, je fais quoi? J'ai une feuille Korogu normalement, j'en ai pris une, est-ce que je peux la prendre? Bah non, ça n'a pas marché.
pour faire du... Ou alors... Ah non, si, il faut que je... D'accord, ok. Oui, j'ai compris. Attends, je suis bête. Ah non, il faut déjà... Ah, je suis bête, il faut déjà que je prenne le... Ah, c'est le gourdin que je prends. Faire comme ça, hein, je pense, parce que sinon le truc il va pas tenir. Non! Ah, putain! Oh, la phase est relou! J'ai faim en plus, donc quand j'ai faim, je deviens impatient. Ah putain, puis là... Il n'y a plus qu'un seul flotteur en plus, quoi. C'est baisé, là. Merde, non. Ah merde, non. Putain, je fais de la merde. Je vais les chercher. Non, je peux pas les chercher. Ah putain, et arrête de nager comme un fou.
Ah, c'est chiant. C'est chiant, je peux pas. Pourquoi il veut. Je veux pas que tu prennes la voile. Bon, c'est pas grave. Des fois, le gameplay. C'est pas génial. Mais non! Ah! Non, non, coule pas, t'inquiète, t'inquiète. Voilà. Tu couleras pas, Jeannot. Non! Il est dans l'eau. Oh putain, je pète les plombs. Cette phase à la con me casse les couilles. Ah, c'est insupportable. J'espère que ça sert à quelque chose de faire ça. Hein, parce que c'est très très chiant. Mais non, on coule. On coule pas, putain, il est chiant. Il va stresser tout le temps, là. Ah, merde. Ah putain non! T'as intérêt à me filer 1 milliard de rubis. Non! Ah, c'est bon. Putain, à chaque fois qu'il y a une cinématique à la con là. Le truc c'est que j'ai avec mon écran j'ai du mal de voir le niveau de l'eau quoi, donc c'est. C'est très très chiant. Ah, c'est bon. Je vais me mettre là parce que je vais me casser la gueule.
C'est quoi le problème? Je comprends pas, c'est quoi le problème? Le jeu, il a des triggers de fils de pute ou quoi là? Ah! Excessivement saoulant. Je peux pas le poser délicatement à la surface de l'eau parce que je ne vois pas le niveau de la surface de l'eau. Donc c'est extrêmement chiant. À cause des effets de lumière et mon écran glossy. Bonsoir, bonsoir tout le monde, merci pour le raid. Carmub, bonsoir. Comment allez-vous? Comment ça va bien? Merci à toutes et à tous. Bienvenue, bonsoir, je sais plus où j'en suis, je suis fatigué. Ah non! Et cette mission de merde me bourre le cul. Et pas comme j'aime. J'ai besoin de me décamaquer et manger. Eh ben mets-toi bien, mets-toi bien. Sustente-toi abondamment. On c'est bon là? Putain. Fils de pute, ça y est, il est content là. Tu peux pas sauter là? Tu peux pas... Trop de balles. Ah. Putain, il m'énerve. Bien évidemment, pas manger du maquillage. Non, vaut mieux éviter. Ah, ma bouche, tu touches pas ça. Bah et putain, ça fait 3 fois. Hein. 4 fois, je sais plus. Il y a une pierre qui émet de la lumière bizarre. Oui, c'est bon, c'est fait. J'adorais partir à l'aventure, oui. Vous êtes bien amusé. Une récompense? Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Hein. D'ailleurs, je ne peux pas te laisser repartir les mains vides. Ouais, on va dire que j'ai rien vu. Ah! Ok. Il la groom ou quoi? Un canadien se demande la main pour pas se perdre de vue. Ah bah oui, vous auriez dû faire ça dès le début. Oh, c'est interminablement chiant. Il n'y a plus de flèches. Non. Putain, mon troupeau de guerriers là. Oh, puis je peux pas me TP. Si je peux. Ah. Oh, de la lumière, du soleil. Alors, je suis loin, loin de chez moi. Est-ce que... Ah tiens, on va se rééjecter la gueule. C'est une bonne idée, parce que de toute façon, il faut que j'aille là-dedans. Et puis, bah, l'île céleste poisson, hein... Sanctuaire de l'île. Ah bon? Il y a un sanctuaire? Ah, peut-être, je me souvenais plus. Eh ben, c'est pratique. C'est très pratique, cette histoire de sanctuaire. Bon, alors, pour l'instant, des quêtes de merde. Pas de musiciens.
pas de casque Zora, pas de jambière Zora. C'est un petit peu la descente d'organes. J'ai ce truc de merde là. Bon, je vais le garder au cas où. Un crapaud. Ah, d'accord. Ah ouais? Les jambières. Et pourtant j'y suis allé ici. Hein. J'ai vu aucune fucking jambière. Peut-être que c'est juste derrière là. Non. Ce serait abusé. Attendez, on va acheter des trucs. Ah bon, on va acheter ça, oui. Il va falloir que j'amalgame avec quelque chose. C'est ici où on a fait monter le niveau d'eau là où il faut. Ah oui. Et que ça ressemblait au temple Zora de la 64. Enfin de Ocarina of Time. La flotte. Oh mais c'est le camarade Link. Il me dit pas que toi aussi tu as fait tout ce chemin en quête d'un nouveau spot pour plonger. Ah c'est lui, merde. Ah oui. Ici mon pote, il n'y a pas de flotte. Vous voyez déjà franchir les nouvelles frontières de la grâce en plongeant des milieux de ces ruines grandioses. Mais quand je suis arrivé, l'eau s'est retirée et j'ai eu le temps de dire plouf. Il n'y a plus rien pour cacher le fond. Alors c'est bien joli tout ça, mais pour faire un beau plongeon, un bon plongeur suffit pas et il faut aussi de quoi plonger. Eh ben on va tout recommencer alors du coup. Okay.
Ouais, peut-être va falloir la tenue de crapaud là. Ah non. Il est... Ah, il y a un coffre. Let's go. Le feu. Le chuchu. Oh, j'en ai pas beaucoup des chuchus, donc... le piment. Non, c'est pas le piment. C'est la, ça. Le fruit de... piment, ça me fait... Ah, merde. Ah, merde, c'est méga humide. Du coup, ça marche pas. Et que le chuchu, ça marchera pas non plus. Oh merde. Mais comment je le fais moi? Le pouvoir du Goron. Ok. C'est la pommade absolue. T'es voir de l'autre côté, je sais pas. Ah, c'est par là, donc on va pas y aller. Ah merde, non! On va essayer d'aller voir en face. Oh là là. D'accord. Il va falloir aller par là, je pense. Mais avant toute chose... Putain, cette ambiance. Ok, donc je pressens ce qu'on va faire. On va aller en dessous et on va faire remonter de l'eau. En vidant l'autre pièce. Merde, il est déjà 22h54. On va faire un retour là, je sens, c'est pas bien. C'est nul.
Ah putain. Ah non. Pas cool. Ah putain. Putain, vite! Putain, mais il a de temps ceci. Ah merde. Alors que j'arrête. Voilà, on va pas au milieu. C'est pas évident de voir quelque chose dans cette zone, c'est vraiment compliqué. Zone bien brumeuse avec un écran qui brille, waouh. Est-ce que je peux les remonter les cascades là? Ah non, ça se remonte pas. Okay. Non, c'est bon, c'est bon. J'aurais eu les jambières même si j'ai pas le casque. C'est où? Oh. Ok, bon, maintenant que j'ai les jambières, je vais essayer. C'était où? C'était là. C'était là. Donc, je me re-TP là.
On essaye ça, et puis après, je vais me coucher. Bon, par contre, c'est pas esthétique le truc dans le dos là. Merci. Ah tiens. Ah non. Écoute que celui-là c'en est un. Chier. Ça a marché. Ah mais d'accord. Je peux pas. Il s'agenouille pas? Attends. Oui, c'est une... Je peux pas. Je peux pas passer en dessous. Oh putain mais vas-y. Comment je peux faire? Putain, de chier. Forcément arriver par en dessous, quoi, mais... Peut-être qu'il y a une galerie par là, comme ça. Je veux pas que tu fasses ça. Merde. Ah ouais, encore au goût.
Mais... que je vois, il est où là? J'ai vu un temple, enfin un sanctuaire. Non, j'ai halluciné. Merde, je suis persuadé d'avoir vu la lumière dans le sanctuaire. Ah, je pète les plombs. Ou alors c'est ces connards qui font de la lumière là. Ah, c'est peut-être ça en fait, ouais, putain. Est-ce que le sanctuaire là-bas je l'ai fait ou quoi? Ah non. Bon bref. Ah merde, le renard! Bon. Vous dites rien, Noliprane. Là, il n'y avait pas une entrée, là. C'était pas là. T'en vois rien. Hein. Je vois rien, je me vois moi dans l'écran, mais je vois pas les... Ouais non, y a pas d'entrée. Oh putain. Une patte patrouille.
Bon bah je sais pas. Attendez, c'est par où le... Ah, je suis pas au bon endroit. Ah. Ah si, c'est là. Ah ouais, mais y a rien. C'est vrai qu'il y a rien pour ce... Ah si. Oh putain. Je vais pas y arriver. Fais chier. Ouais, je vais y aller aussi, coach. Ouais, je vois pas comment faire. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. Il faut que je m'en aille. Malheureusement, c'est un échec pour la mission à accomplir, mais bon, c'est comme ça.